Hop, on coupe la musique, ça fait un peu de bien. Alors, tac. Yep. J'allume la Wiimote. Et voilà. Sais pas si je vais avoir du son. Wario Land, c'est de la plateforme Mario, enfin Wario. Dans celui-là, la particularité, c'est que, ben, épisode Wii oblige, des fois, ben, faut secouer la manette pour faire des actions. Alors, hop, non, si je me mets pas. Tac. Ça devrait être un peu mieux maintenant. Allez, voilà. Cinématique, c'est Production IG qu'ils ont fait, hein. Gros studio d'animation japonaise. Des piles hein. Pour la Wiimote, c'est piles rechargeables. Et oui, bien sûr, je vais vous aider. Tant qu'il y a du pognon à la clé. Yeah.
Bon, le jeu il a été développé par Feel Good, qui ont fait plein de mini-jeux sur 3DS, les petits jeux de la Plasmi, ça. Et après ils ont fait aussi les adaptations, je crois le Yoshi Crafted World qui est sorti sur Switch, les Yoshi Woolly World et le Kirby sur Wii U. Mais quelques autres trucs. J'aime bien ce Wario parce qu'il a... Il a un design classe, tout en 2D, et on voit que c'est des, du dessiné à la main. C'est très animé. Ça fait un moment que j'ai pas joué, donc je connais plus trop les mécaniques. Donc le 2 c'est sauter, le 1 c'est foncer, bas pour rentrer dans les tuyaux. Yo, ça fait mal.
Ok. Ok, je me remémore du coup les principes. Là, il faut aller finir le niveau. Récupérer le petit bonhomme à la fin. Et une fois qu'on le récupère, on a un temps limité pour finir le niveau. On a des trésors cachés. On a des petites missions, des petits succès pour chaque niveau. Après je l'avais fini quand je l'avais acheté, je crois. Donc ben, ça va faire une dizaine d'années. Moustique, casse-toi moustique. Des trésors. Médiathèque, j'imagine c'est juste les vidéos. Ah non, même pas, c'est l'OST. Mais après le truc que je me dis c'est qu'il faudrait que je change ma carte de capture pour pouvoir profiter des résolutions un peu plus hautes que je pourrais avoir avec l'OSSC. Parce que là du coup je suis un x2 je crois. Non même pas, je suis en résolution native, je suis en point 1. Parce qu'en x2 ça sort une image dégueulasse. Du moins la capture fait une image dégueulasse. Donc je pourrais aller jusqu'à x3, mais après à x3 la capture n'arrive pas à le gérer. Cela.
fallait peut-être utiliser les ennemis en fait. Je pense que c'est peut-être le chemin du retour. Hein. Y aller. Ah, mais... Et on peut plus y revenir. Oh. Ouais, c'est un peu mal barré.
Ouais, aucune mission. Pas top le niveau. Ah merde. Pourquoi tu fais ça avec le revient normalement? Voilà, hier. Mais ça prend pas les pièces. Je pensais que... Ah non, ça prend pas les pièces. Donc ça doit être le chemin de retour. Ah, j'ai pas eu ça. Ah, mais y'a la... Ok. Ah mince. J'ai oublié de laisser appuyer sur le bouton. Bon, au moins ce sera plus simple avec ça. Bon, c'est juste un ennemi. Il n'y a rien à faire.
Ah ok. J'ai dû réussir aucune mission à nouveau. C'est ça, aucune mission. Mais du coup, j'ai trouvé aucun coffre. Ah mais oui, je pense parce que en fait dès que je débloque le truc, je pense avoir compris le truc, je pense. Du moins le début. Bon ça, c'est la mauvaise façon en fait. Ah ok. C'est ça qu'il faut faire en fait. Aïe 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 aïe. Bon. J'ai perdu le sac. Ok, j'ai compris.
coup, ça sert à quoi ça? Si on fait demi-tour, est-ce qu'on peut sauter plus loin? Ok. Ah, moustique. Voilà, hop. Mince, ça a éclaté le sac. Bon, j'ai au moins un trésor. Ah, peut-être j'ai les trois en fait. Ah non, deux, j'avais que deux. Précis. Dans ce petit espace, comment on fait pour y rentrer? Ah, ok. Je pense que c'est la sortie en fait de ce passage. Ah mince. Et vite, vite. En fait, je pense que quand on arrive au mur, voilà. Tant pis, j'ai pas pris l'échelle là. J'imagine c'était le troisième trésor. Ah ben non, je l'ai chopé. Oh putain, il me manquait 700 pièces. Ah non, je l'ai pas chopé le dernier trésor. Mais c'est déjà mieux que le premier essai. Bon, je vais essayer de finir au moins le premier monde avant minuit. Avant que je le revoie.
me rappelle plus. Voilà. Faire comme ça. Aïe, aïe, aïe. Ah, pas assez. Ou alors il faudrait que... Ah, si. Ah là, c'est mieux. Ah, c'est mieux. Salut Jaco. Ouais, non, là, je pense qu'il faut que j'ai un turbo. Ah, il y a des sous. Non, 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 non.
Voilà. Tac. Alors. Tour. Demi-tour. Demi-tour. Ah mince, je l'ai raté. Est-ce qu'on peut recommencer? Yep. Voilà. Ah putain non, elles reviennent pas les caisses. Bon, tant pis. Ah, pas encore. Aïe 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 aïe. Ah bien. Je lâche trop tôt. Du coup, si un point de contrôle, je pense que si je fais réessayer, je retombe ici.
Bon, j'ai raté un trésor. Oh. 58 centièmes de seconde et j'aurais pas eu la mission. C'est un perte de vie, sans tomber dans l'eau, c'est chaud. Du coup, Jaco, t'as vu les photos que je t'avais envoyées ou pas? De rien. J'aurais bien aimé voir la tête de Damien quand Loïs a dû lui montrer les photos. Alors, comment on fait? On penche. Je vais récupérer d'autres, enfin j'ai récupéré celle de Pauline et après sur Facebook il y en a d'autres qui en ont rajouté aussi. Là c'est de la Wii. Mais il est sorti que sur Wii. Après on voit. Oui, il est sorti que sur la Wii. Hop. Ok. Tac. Hop, je vous montre. Si on voit. Hop. Ça date de 2008. Ah mais c'est bon. Non, 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 t'en veux pas. Voilà. Qu'est-ce que c'était? Allez, c'est les fenêtres ouvertes, j'ai les bestioles qui montent dessus. Parce que c'est des. Bon. Un émulateur Dolphin. C'est pas compliqué, hein. Pour la Wii, il n'y en a qu'un seul qui marche bien.
Ou alors c'était une Wii U. Ah non, non, ta. Ah oui, c'est ça qu'il y a le interrupteur là. Aïe 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 aïe. Manque un peu de vitesse. Ah non 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 non. Ah mince. Est-ce que si je fais, je tente, est-ce que si je fais réessayer, je reviens au point de sauvegarde? Ouais, ok. Hop là. J'avais pas vu.
Comment ça, connexion perdue? Hop. Va falloir vraiment que je m'achète une webcam. Bon, ça a pas l'air de marcher. Parce que je passe par mon téléphone pour la webcam, donc c'est pas l'idéal. Ouais, ça plante. Ok. Vas-y, 43, 210. Bon, j'ai le programme qui plante. Hop. Si je lance là. Ok, bon, bah tant pis. Après caméra. Faut vraiment que j'achète une webcam. Mais une bonne webcam, c'est une. Ouais. Les Logitech sont pas mal, mais je crois que c'est ça, une centaine d'euros là, quoi. La caméra. Alors. On appuie sur le bas, voilà. Le dernier trésor. Ah mince. Ouais, des fois je passe par la 4G et des fois ça coupe. Moi qui parle plus du tout d'image. Là, je crois que je parlais des webcams. Non, c'est pas vrai. Après, il y a les webcams type Xiaomi, Made in China et compagnie. Mais la qualité, j'ai peur qu'elles soient un peu dégueulasses pour moi. Après. Un cours de jeu, c'est juste une vignette. Mais ou alors, redémarrer. Mais à des moments où ouais, on trouvait les Logitech à une soixantaine d'euros en promo, mais ça fait un moment que c'est pas revenu. Ou alors sinon, faudrait que je voyais sur le bon coin si j'arrive à choper. Alors, je vais essayer vite fait. Bah non, ça plaint toujours. Ah, j'ai un Panasonic et je peux pas l'utiliser comme webcam. J'avais trouvé un moyen un peu détourné, mais c'était bordel quoi. Fallait que j'active en fait le point Wi-Fi de l'appareil photo. Et après, avec une application qui simule en fait l'application officielle Android, je récupérais le flux vidéo de prévisualisation de l'appareil photo. Mais le truc, c'est qu'au bout de 10 minutes, un quart d'heure, l'appareil photo s'arrêtait tout seul, quoi. C'était pas top. Je
Il me faudrait une webcam. Ou que je trouve peut-être un adaptateur Kinect. Que j'ai le Kinect. J'ai une grosse webcam. Mais j'ai pas l'adaptateur port propriétaire vers USB. Alors lui, comment on le tue? Alors, quand il baisse la tête, je pense, il faut lui foncer dessus. Ah, il a sauté trop tôt. Voilà. Passe un mode un peu plus vénère. Ok, c'est des bombes. Ah, ok, j'ai compris maintenant. Ou pas. Ok. Et ça, je pense, du coup, on se met dessus et hop, on saute. Allez, dernière phase. Et voilà. Hop, vu que elle marche plus, autant la cacher. With fire. Yeah. Aha. Hey, yep. Carte au trésor, mais on va à la boutique. Oh, ça va, je crois qu'il y a encore le temps de faire un ou deux niveaux. Alors, j'ai combien? Donc, carte 2. Cœur facile. Je prends une potion. Non. Hop, carte 2. La contrée trépidante.
fait un peu le roi lion ce style. Ah, ok. Un premier trésor. Déjà la fin. Ah. Allez, essayez. D'un trou. Ah putain. Et y arriver. Voilà. Bon, je sais pas comment l'accéder. À 2000 pièces.
Bon, c'est le dernier que je fais. Ah, niveau sous-marin. Ok, c'est un scrolling. C'est un shoot en fait. Ouais, pas très rapide. Et pas très maniable. Là, oh là, oh là, oh là, oh là. Ne pas se précipiter. Ah putain, il était en gros le diamant. Ah, là au moins. J'ai le trésor. Moi je t'entends bas. Ah oui. Ah, c'était un groupe qui avait un trésor. Un mini boss en gros. C'est même pas le sous-marin, c'est le sous-warin.
c'est go, hop. Ah mais c'est ça. Bon, je vais m'arrêter là. Bientôt minuit. Donc, c'était Wario Land de Shake Dimension sur la Wii, sorti en 2008, développé par Goldfield. Non, Feel Good. Goldfield, je sais plus. Un des deux. Et sorti en 2008, et ça, je crois que j'ai dit. Entièrement jouable avec juste une Wiimote. Pas de nunchuk. Jeu de plateforme. Qui peut se finir, je pense, assez vite si on cherche pas la complétion. Si on cherche à faire le 100%. Je pense qu'il y a. Merci. Même si je suis pas très combattateur. Ouais, pour le finir, c'est à 100%. Je pense qu'il y a des heures et des heures. Parce que les challenges proposés, je pense que sont assez costauds. Salut Kekon, et ouais, t'arrives un peu à la fin. C'est toujours à peu près ces heures-là que je fais. Je fais à 21h, minuit à peu près. Les mercredis. Et en général, le programme, je le décide au dernier moment. Et en général, je fais toujours deux jeux différents. Pas de stream continu pour le moment. Peut-être qu'une fois que j'aurai réorganisé, je ferai du genre je commence un jeu sur la chaîne de James et après je continuerai sur ma chaîne perso. Mais pour l'instant, la configuration chez moi, c'est pas top. Voilà. Après, bon, pour l'instant, je suis tout seul, mais normalement, à terme, plus tard. Devrait James qui devrait faire du stream. Devrait y avoir Sylvain aussi, mais il n'était pas là. Enfin, ce week-end, il n'était pas là. Mais voilà, ça, du coup, maintenant, tu sais, tous les mercredis soirs. Voilà. Quoi d'autre à rajouter sur ce jeu? Qu'il est beau, pour de la Wii, c'est de la belle 2D. Pas aussi beau que je. Enfin, pas aussi beau. C'est un style différent. Comme Muramasa. Mais c'est un jeu de 2D quand même qui est bien classe. Voilà. Bon. Ah, c'est prévu, ouais, c'est prévu. Normalement, on a commencé à lui passer des. C'est un Avermedia, je crois. C'est Sylvain qui lui a donné. Bah, après, il lui faut le PC, il lui faut le setup, il lui faut de quoi pouvoir brancher une borne d'arcade dessus si on veut faire du stream arcade. Mais on prévoit des trucs petit à petit. Bon, mais du coup, bonne soirée à toi. Mais bonne soirée à tout le monde. Et à la semaine prochaine si vous voulez revenir. Ciao.